ah, originale. Oui. Donc c'est sur la dernière réplique, il me semble. Ah oui, la dernière ligne. En effet, les producteurs disaient. Et ça, c'est écrit le début. Et puis, il y avait la journaliste qui lui demandait « Mais qu'est-ce que vous pensez de ce projet fait par cet émigré ?» Et il disait « Bon, je ne comprends rien, mais je m'amuse beaucoup. » Et c'était une phrase qui avait été dite par Toton quand il travaillait avec Pasolini. Et c'était une chose très intéressante. Mais peut-être que le producteur pensait que c'était on parlait de lui, donc il n'a pas aimé cette chose. Et il a coupé. Sinon, il me semble que ce film, c'est un film sur l'art de s'arranger, de se débrouiller, mais peut-être aussi sur la possibilité de créer, sur... J'ai oui. Vu cette thématique-là. Disons que ça, on essayait de parler de ça, de se débrouiller, les Italiens sont champions du monde de ça, de survivre à les conditions les pires. Mais surtout, l'idée, c'était de parler de l'immigration de notre côté, c'est-à-dire comme la possibilité de prendre ce qu'il y a de beau dans même tous les personnages qui sont arrivés chez nous. Il ne faut pas oublier, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais la dernière manifestation publique contre la Camorra à Napoli a été faite que par les immigrés. C'est-à-dire, les habitants italiens et napolitains ne font plus rien contre la Camorra. Les immigrés ont plus de courage que les Italiens. Et alors,